Et pourquoi, vraiment, Antoine, je crois qu'il a tout fait. Je dis quoi? Quels sont ceux qui sont au pouvoir dans ce pays-là? C'est qui? C'est qui? C'est pas Djula. C'est pas Djula. Ça coûte des Djula, ils parlent comme ça. Moi, je connais mon côté. Il y a un côté Tita Pété. Mon cousin, Tapuri. Prestataire de l'état de service. C'est-à-dire, il donne des articles de bureau, il donne ça à la présidence. C'était dans son temps, au temps de Bako, ils n'ont pas payé. Tapuri, au temps de Ouattara, on l'a payé. C'est risqué. Ça fait une Tapuri, on t'appelle le trésor, va, il dit quel est le trésor? Moi, Tapuri, j'ai trésor de Djula. Tu sois attaché. Sa femme dit les Djula sont gentils. Va. Il dit chérie, apprête le cercueil. Si je viens au complet, c'est bon. Et si je suis allé, puis tu vois à vie et communauté, mais bâche. Sa femme dit va. Ta courrier arrive au trésor. Le DG du trésor s'appelle Pony Adama. La secrétaire reçoit Takuri. Takuri est plus vieux que la secrétaire. Il voit la secrétaire, fait ça. Bonjour, tanti. Elle dit, c'est monsieur Takuri. Il dit, c'est moi. Oh, asseyez-vous, vous allez prendre un peu de café pendant que le DG. Il dit, j'ai déjeuné. J'ai plus café à la maison. Elle dit, bon, Takuri, le DG va te rejoindre. Le DG voit Takuri à l'écran. Il dit, fais tenter Takuri. On dit, monsieur Takuri, maintenant. Takuri, votre gens. Il voit le DG lui dire, bonjour tonton. Le DG dit, ça va Takuri, c'est toi. Mais c'est vrai, l'État c'est une continuité. C'est vrai qu'on n'a pas pu payer dans son temps, mais nous, on a décidé de payer tous ceux qui ont quand même. Voilà. Il dit, on m'avait dit, Djula était gentil. On a la DG, je suis à tes ordres. Le DG dit, bon, écoute, ton chèque c'est 5,5 millions. Il dit, c'est ça. Il dit, va au bureau C. Madame Bakayoko, elle m'a tabac de recevoir. Elle va te donner un tampon sur le CPC. Et tu vas voir M. Koulibaly. Au bureau A, qui va t'envoyer au sous-sol, chez Djerasouba. Djerasouba va t'envoyer chez Hassan. Et Hassan peut t'envoyer au guichet chez M. Keïta. Keïta va effectivement voir si c'est ça. Et tu vas te faire payer chez Madame Alimata Bakayoko. D'accord, il fait ça. Le pays a changé. Ou bien c'est parce que c'est sous bêtis. Mon chèque est dans du labour comme ça.